On va parler digital et trouver, les retrouver. Oui. Comme c'est dit à ça, un truc, on était sur Facebook, non? Voilà. Chez Aya là-bas, c'est fini, tout, tout, tout. Je suis venu tomber sur As. C'est qui As a dit là, As a tout dit. Sincèrement, Mado, toi tu penses que le gars là, c'est un vrai plaisantin. Il tue que des morts. Vous pensez les autorités vont venir arrêter. Attends, on parle de quoi même d'abord? Les autorités vont venir arrêter une personne qu'elle a dénoncée. Un criminel. Tiens, vous aussi, nous sommes dans un pays, même si vrai, les autorités souvent sont là tourner, mais tiens. Entre nous et puis le gars là, l'homme qu'on Non, doit mais arrêter. Samasoko, le Oui, monsieur il dit dit. que. Attends, Samasoko, excuse-moi, je vais te laisser continuer. L'esprit s'enferme ton micro, s'il te plaît. Le Oui. monsieur dit que. Il parle comme si c'est quelqu'un qui a vécu la scène. Il dit que Ryan là, c'est pas seul. En fait, il y a trois Ryan dans Côte d'Ivoire. Et que là, à cause de nos lives là, ils sont en train de se dire qu'ils vont le bouer. À cause de nos lives là, ils vont le bouer. Et j'ai vu une publication tout à l'heure. Où il a dit qu'il va faire un live demain à 14h et qu'il va tout dire. Il a mis une publication que D'accord. demain il va faire un live à 14h qu'il va tout dire. Quand moi je dis qu'il m'a bloqué, vous me dites que non. Moi j'essaie de lui envoyer un message. J'ai dit, mais tu m'as bloqué, il ne m'a pas répondu. Mado, c'est un combat noble qu'elle a fait. Hier, là, on était tous en veille à Djamilé, là. La majorité de toutes les grosses têtes étaient là. On allait, les gens circulent librement en Côte d'Ivoire ici, il n'y a pas de problème. Personne n'est menacé. Le gars, la preuve en est, regarde les gars qui cherchent. Ils cherchent les petits gens, les petits qui se cherchent. Les petits qui ont pu vite trafiquer, les 20 000, les 30 000. Regarde, ils sont autour de qui? Merci d'abord, Sama. Sama, Oui, oui. il est là. Moi, j'étais au live. J'étais plutôt à la veille d'Adjamélé. J'ai filmé même la photo même d'Adjamélé dans le live d'Aya en bas là. J'ai filmé sa photo où on met le tissu blanc là. Tout le monde Ouais, savait ouais, déjà ouais. qu'il était là-bas. Hein? Tout le monde savait qu'il était déjà là-bas. Mais il fallait qu'il vienne devant moi. Je vais leur dire que moi, je dénonce un bas billet, je le dénonce. Ah, Faites ce que nous-mêmes, vous là, on est voulez. resté là-bas jusqu'à 5 heures, causé à tout le monde. Et même à Boy Pidolizan, on a parlé de cette histoire là jusqu'à quelle heure. Tout le monde, tous les miss là, tout le monde était là. Mais arrivé à ce moment là, on a cassé Mado, c'est lui, tout le monde là au courant. C'est ce que cela a cette là te fait comprendre. Le gars là, il peut rien, rien, rien créer. Il peut rien, rien créer, en tout cas, à quelqu'un face à ce combat là. Ne faut pas les avoir avec tes distraits. Moi, je pense que c'est les infiltrés, quoi. On vient couper ton cœur. Dis-moi, Mado, tu t'es saisi de ce dossier il y a très longtemps. J'ai attendu le gars parler quand je partais sur Facebook, que nous, on n'a qu'à lancer notre live. Mais il ne sait pas aussi qu'on lance live. On lance live. Et quand on monte sur ton panel aussi, chacun joue son rôle. Que ce soit les commentateurs, que ce soit ceux qui veulent monter sur le panel pour donner leur avis, là, chacun met sa vie en jeu. Et nous autres qui sommes en Côte d'Ivoire ici, là, peut-être là, c'est un peu risqué pour nous autres. De ce que le gars dit, il dit des conneries, en fait. Il dit des conneries. C'est pour venir que. Moi, je pense que tu les envoyés. Ils vont venir. Hey, madame, on s'en fout. C'est un combat noble. On parle de quoi, en tout cas? On parle de quoi, là? Le gars, là, détruit la jeunesse, les petits, là. On parle de ça, quoi? Faut faire attention. Ils vont venir te mettre en prison. Ils vont venir faire ça, ils vont venir faire ça. Il Nous, m'a en dit, Côte en d'Ivoire, fait, il m'a le dit début de quoi? Il combat m'a a commencé. dit, Non, bouge, dedans. en fait, il m'a dit, laisse les autres se mettre. En gros, faut pas que moi je me mette en avant. J'ai qu'à laisser les autres se mettre en avant parce que j'ai ma famille en Côte d'Ivoire et qu'ils ont déjà fait disparaître des gens. Et Mado, que. c'est un faux film. C'est un faux film, Mado. Laisse-moi Non, elle est là. Aya est quittée là, dessus, là, sur Aya. Facebook. Et Plus de Mado, 4 000 personnes Aya suivent là. Aya. Tu vois, Aya aussi a sa famille en Côte d'Ivoire. Nous tous, nous, on est en Côte d'Ivoire ici. Attends, Asgezel est là. Nous, on est là. On est à la veille à Djamélé hier. Nous ne sommes pas inquiétés. Mais à un moment donné, il faut que les gens arrêtent de venir décourager les gens. Si vous ne voulez pas nous encombrer pour lutter là, pardonnez, fermez vos bouches. Ceux qui veulent donner un plus à ce combat-là, Voilà, ce sont les éléments arrêtez de de les Ryan. décourager. Ce sont Sérieux. les éléments de Ryan. C'est leur Ah, je vais expliquer à la poutine, s'il vous plaît. Ok. Aya, ça va? Oui, ça va. Ah, Ah, là, c'est chaud. Là, c'est chaud, hein. Il y a un monsieur qui est monté ici, hein. Le monsieur dit de faire attention parce que Ryan il travaillait et tu vas voir que ces mots relient un peu avec le témoignage de Aïcha. Tu vois, non?
Il dit que Ryan travaillait pour une grande personnalité en Côte d'Ivoire et que cette personnalité est décédée. On sait tous un peu c'est qui. Et que quelqu'un d'autre a pris la place de cette personne. Que ça fait 15 ans que Ryan fait ça et qu'ils sont trois. Que comme Ryan, il y en a trois. Qu'ils ont, ça fait 15 ans qu'ils ramènent des jeunes à des gens influents qui sont connus. Qu'il y en a même qui ont disparu dans cette histoire. C'est-à-dire qu'ils ont fait disparaître des jeunes de qui on ne parle plus. Et que j'ai qu'à faire attention parce que ma famille est en Côte d'Ivoire. Que lui m'a pas dit d'arrêter de parler, hein, d'arrêter de faire le combat, mais que j'ai qu'à me reculer un peu. Que j'ai qu'à laisser la place aux autres pour parler. En gros, faut pas que je me mette trop en avant. Que lui, ses conseils, il donne. Si le monsieur est là, le monsieur n'a qu'à monter. Et puis quand le monsieur a parlé, il y a un autre monsieur qui est monté, presque 1 million d'abonnés, qui est là, qui dit qu'il a dansé avec Bébé DJ, qui connaît très bien Bébé DJ, qui connaît Ryan, qui connaît tout le monde, que lui-même, son ami, est sorti un soir, c'est-à-dire son ami était dans le même mouvement. Et que son ami est sorti un soir pour une histoire de danse, je crois que pour un show. Et puis son ami s'est fait mourir par deux babachets en question. Enfin, il n'a pas confirmé, mais c'est ce qu'il voulait dire en tout cas. Parce qu'il est descendu, il n'avait plus de batterie. Et que son ami est tombé malade. Et puis, il a déjà. Ah, on fait quoi maintenant? Tu te demandes on fait quoi là qui? Non mais t'en penses quoi de tout ça? Moi j'en pense rien. Hein? Ils peuvent. C'est ce qui va me déstabiliser. Si toi tu es déstabilisé quoi pour ça, pour toi. Après c'est à toi de voir. C'est à toi de voir. Personne n'est pas obligé de faire le combat. Si tu as décidé de faire, tu le fais. Mais prends un exemple. Si c'était. Je prends un exemple, hein. Si c'était un membre de ta famille, tu allais faire quoi? Mais j'allais me battre. Donc, comme c'est pas un membre de ta famille, tu te bats plus, c'est ça? Et puis, quand on te dit aussi que... Quand il y a trop de bruit. Par... Excuse-moi. Ah, vas-y, il faut ouvrir ton micro. Je t'écoute. Il faut faire un grand live. Je suis en train de continuer le combat. Je ne vais pas venir écouter des bêtises qui ne vont pas... Ça n'a pas de sens tout ce que tu dis, toi-même, t'es dit là. Si tu insistes, tu prends pour faire de... Si tu en fais de ça un débat, ça veut dire que toi-même, tu ne veux plus continuer. Parce que depuis tout à l'heure, même, tu as dit que tu ne continues plus. Tu m'as appelé spécialement pour ça. Donc, dis-toi que de toute façon, il y a un combat comme ça et puis ça vient. Mado, rappelle-toi que... C'est vrai que quand tu as eu le combat de ton enfant n'a rien à voir, mais je te rappelle parce que c'est une histoire connue. Moi, je n'étais pas panéliste, mais il y a des gens qui t'ont défendu jusqu'au bout. Donc, imagine si ces gens-là baissaient les bras. Est-ce que tu allais avoir quand même la force de continuer ton combat? Justement, c'est pour ça qu'on fait ce combat. Mais voilà, parce que le papa de ton combat, de ton affaire, les femmes sont sorties. Beaucoup de monde t'a soutenu jusqu'à ce que tu partes même à la télé française, je crois. Oui, donc, si ces personnes-là disaient que, oui, moi, je ne veux pas parce que si je parle, il ne faut pas qu'elle trouve travail un jour à la crèche. Est-ce que toi, quand même, ton combat, là, tu allais avoir la force de continuer? Tu n'allais pas avoir la force. Mmh. Voilà, donc, soit tu continues ton combat, soit tu les écoutes. Mais il ne faut pas réveiller ça pour intimider les autres. Et Aya, quand tu vas faire ton live, là, tu vas faire live après? Tu as dit quoi? Tu vas faire live après, non? Oui, mais je fais un live après, tout à l'heure. Ok, il faut que tu appelles une certaine Aurélie comment ça s'appelle, Fatiga ou Fatila. Mmh. D'accord. Parce qu'elle est venue, si elle n'a pas voulu monter dans mon panel, peut-être que dans ton panel, toi, elle va vouloir monter. Parce que les deux jeunes qui sont à la Maca, là, c'est que toute cette histoire a commencé à cause d'elle. C'est elle qui les envoie à la Maca, non? De quoi? Parce que c'est elle-même à la base de tout ça, en fait. Aussi. Oui, c'est elle qui a la base de tout ça, en fait. C'est-à-dire que Ryan lui a envoyé le dossier de Emmanuel Heut pour qu'elle puisse humilier les garçons devant tout le monde. C'est comme ça, en fait, les garçons disaient que comme si Ryan la... Tu vois, non? Donc, il faut qu'on entende sa version pour qu'elle puisse parler et nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Et quand on n'a pas voulu de quand bon... elle a eu
Aurélie Fatiga, là, quand elle a eu des problèmes sur la toile ici, là, c'est moi-même, Aya, j'ai chargé son affaire ici. J'ai chargé son affaire quand au point où son ex, là-même, là, je les ai eus au téléphone. Je vais l'interpeller tout à l'heure, t'inquiète pas. Maintenant, si je l'interpelle, qu'elle n'est pas venue donner sa version, elle est toujours dans le problème où on est sur Internet ici. Si elle n'est pas venue, le jour qu'elle aura son problème, là, plus personne ne va mettre sa bouche. Parce que quand elle était au plus mal, là, c'est nous qui sommes sortis. Je faisais partie de ces personnes-là qui motivaient les gens à la défendre. Voilà, j'étais même contre le fait qu'on la mette en prison. Je l'ai défendue ici. Donc tout à l'heure même, là, la dernière fois, j'ai parlé d'elle vite fait. Mais bon, on va, je veux aussi avoir sa version. Parce qu'il faut qu'elle nous dise dans quel coup elle est venue accuser ses amis-là. Qui l'a dit vraiment? Est-ce qu'elle a des preuves? Elle avait les preuves de ça?